Les gars, j'ai des nouvelles à vous annoncer. Écarte-toi, Raffario, écarte-toi. Écoutez-moi, les gars, je pars en vacances et je dois vous dire quelque chose. Raffario part, enfin. Il ne nous dérangera plus du tout. Ne t'inquiète pas, vous ne serez pas seul. Vous aurez un babysitter. Ouais, ouais, allez, allez. Salut. Ils vont voir ce qui va se passer. Je vais les rendre nerveux. A few moments later. Il manque quelque chose de babysitter, Raffario, va-t-il nous envoyer? Je ne sais pas, Odyssée, il nous a envoyé un bodybuilder, il nous a envoyé une sorcière, il nous a déjà envoyé un millier de nounous, je m'en fiche un peu. D'accord, on y verra. Oh, ça sonne, Odyssée. Bon, vous voulez voir qui c'est? Allez, Odyssée, allez. Ouais, qui est là? Dis-moi, tu vois quelqu'un ici? Non, allons voir dehors. Allons-y. Odyssée, penses-tu que quelqu'un nous a fait une farce? Je sais pas, allons voir. Allez, 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 allez. Dis-moi, tu vois quelqu'un? Non, je vois personne. Oui, on nous fait une farce. Ah zut, ils deviennent agaçants avec leur farce, ça devient pénible. Je suis d'accord, je suis d'accord. Oh, qu'est-ce que j'ai entendu? C'est rien, Odyssée, c'est rien. Oui, un droit à la maison maintenant, dis-moi. Bonne idée, allons jouer à FIFA, non? Je vais te déchirer, mon frère. Dans tes rêves. Odyssée, qui fait la toile ici? Je sais pas, mais elle était pas là, oh. En tout cas, Odyssée, passons par l'arrière, viens. Allons-y, allons-y. C'est très étrange, Odyssée. Oui, c'est la première fois que je vois autant de toiles d'araignées. C'est tellement gros, je ne sais pas d'où ça vient. Je sais pas. Salut, les gars. Oh, t'es un Spider-Man? Non, je suis Batman, tu ne vois pas? Quel Batman? Tu te moques de moi, c'est un vrai Spider-Man. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici, Spider-Man? Je suis votre babysitter pour les prochaines 24 heures. Ouais! C'est très cool! Tu nous apprendras des trucs, c'est ça? Et aussi comment tirer des toiles d'araignée! Et comment grimper au mur! Et comment combattre les ennemis! Les gars, regardons d'abord notre programme! Bonne idée, d'accord, allons-y! Allez, on y va! Spider-Man, Spider-Man, as-tu combattu le lutin vert? Oui. Et t'as combattu Venom? Ouais, ouais, je les ai combattus, les gars, je vous raconterai ça plus tard! D'accord, d'accord! Oh, Spider-Man! Attends, attends, tu peux nous montrer quelques-uns de tes trucs? Ouais, et prouve-nous que tu es un vrai Spider-Man! Les gars, je ne suis pas un clown pour vous montrer des trucs! Je vous les montrerai quand j'en aurai envie, d'accord? J'ai compris! Allez! Les gars, on m'a dit que vous étiez des enfants très méchants! Non, 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 nous sommes juste des anges, n'est-ce pas, Odyssée? Oui, oui, alors c'est toi le surdémon, s'il te plaît! Mince, ça commence à m'énerver, je le ferai quand il le faudra. Ok, ok, comme tu veux. Dis-moi, allons chercher un coca. Allons-y, allons-y, allons-y. Les gars, le coca est interdit, n'y pensez même pas, les gars. Ouais, ouais, comme tu veux, ouais. Les gars, je vous ai dit que j'interdisais le coca. Je vous ai bien dit que c'était interdit. T'as vu ça, Odyssée? Oui, je l'ai vu. C'est génial. Les gars, il est temps de s'entraîner en plein air. Suivez-moi, je vais vous apprendre. Cool, dis-moi, on peut aussi devenir comme Spider-Man. Ouais, très cool, allons voir, allez. Maintenant, je vais vous apprendre à faire du parcours. Ouais, c'est cool. C'était la première démonstration. Cool, mais tu n'as pas à nous montrer que ça. Ouais, ouais, on veut vraiment apprendre à grimper au mur, là. Apprenez d'abord les choses faciles, les gars, puis nous commencerons les choses difficiles. D'accord, d'accord, je commence. Bravo, Odyssée, bien tenté. Démon, maintenant c'est ton tour. Je ne vais pas le faire, je vais escalader le mur. C'est bon, Démon, on n'arrête pas, on continue à s'entraîner. Les gars, est-ce que vous voyez ce coca là? Ouais, en effet, ouais. Ah, facile. Pourquoi ne vole-t-il pas? T'as oublié comment lancer une toile d'araignée? Hé, ce n'est pas drôle du tout. Tiens, prends ça. Spider-Man, je me suis rendu compte de mon erreur. Bon, passons à la leçon suivante. Les gars, vous voyez ce chien là-haut? C'est la leçon la plus difficile. Vous devez le sauver. Voyons qui est le meilleur, d'accord? C'est très facile. Bonne chance, les gars, c'est parti. Je vous ai donné le défi le plus difficile. Voyons si vous en êtes capable. C'est le plus dur. Le plus dur.
Allez, tu veux essayer encore? C'est le plus dur. Allez, Odyssey, on fait un effort, on travaille en équipe. D'accord, je vais essayer, allez, allez. Ils veulent être comme Spider-Man, mais c'est vraiment difficile, je suis unique. Voyons ce qu'ils peuvent faire maintenant. J'attends. Et nous avons terminé. Comment? Monsieur Spider-Man, ça s'appelle le travail d'équipe. Oui, et nous voulons vraiment être comme vous et combattre Captain America. Je ne l'avais pas vu venir. Très bien, les gars. Allons à table. À table? Ouais, allons manger les meilleurs plats de Spider-Man. Allons-y. Odyssée, qu'est-ce que tu crois qu'on va manger? Je pense qu'on va manger de la soupe. Non, Spider-Man ne mange que des fruits et des légumes, rien que ça. Mes amis, quel est votre super-héros préféré? Écrivez-nous dans les commentaires. Mon héros préféré, c'est Spider-Man. Et si Spider-Man est votre héros préféré, mettez un like, abonnez-vous et découvrez d'autres vidéos avec lui. Très bien, les gars. Alors essayez ma délicieuse toile maintenant. Des toiles d'araignée? C'est comestible? C'est ma meilleure recette. Essayons-la. C'est insipide. C'est amusant. Qu'est-ce qui est amusant? Ça n'a pas de goût. Mangez, les gars, c'est délicieux. Mais je te dis, Dimon, dès que je l'ai mangé, je me suis senti beaucoup plus fort, comme Spider-Man. Comme tu veux, Odyssée. Une araignée. Dimon, je crois que je l'ai tué. Bravo, Odyssée, et merci beaucoup. Oh, merci, mon Dieu. Quoi? Tu as tué mon araignée? Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Dimon? Otis, nous avons tué son araignée, c'est Spider-Man! Il aime ses araignées! Merde alors, Dimon, t'as raison! Désolé! On ferait mieux de monter parce qu'on a des choses à faire là-haut, oui! Oui! Désolé! Vous m'avez vraiment fâché. Je vais vous punir maintenant. Vous dormirez dans une toile d'araignée. Comme vous voulez. Oui, mais ne me tuez pas. De toute façon, je monte me reposer. Espèce de salaud. Y'en a marre à la fin. Je vais essayer de dormir un peu, peut-être de me détendre. Ah, c'est bien. Odyssée, maintenant que le méchant Spider-Man est parti, nous devons trouver le moyen de nous libérer. Oui, mais comment pouvons-nous nous libérer, dis-moi? Odyssée, à 3, on saute et on essaie de se libérer, d'accord? 1, 2, 3, allez. Déchire-le. Je suis libre. Je suis libre, je m'en suis sorti, ouais. Dis-moi, aide-moi un peu aussi, je n'y arrive pas trop. Allez, c'est par là, sors de là, c'est ça. Allez, tu es libre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Odyssée? On va s'enfuir? Non, dis-moi, sache bien que cette petite araignée noire est foutue. Qu'est-ce que tu veux dire? Et non, nous allons lui faire des farces qui le feront fuir. Mais Odyssée, c'est très dangereux. C'est bon, dis-moi, si tu veux, suis-moi. Ouais, allez, je te suis. Allons voir où il est. Allez, on y va. Je pense que Spider-Man se repose ici. Ouvre la porte, voyons, ouvre-la lentement. Allez. Oh, il est là. Alors dis-moi, maintenant qu'il est endormi, il est temps de lui tendre des pièges. Dis-moi, quel est le premier piège que tu as trouvé? Nous allons mettre du dentifrice sur la poignée de la porte. Mais pourquoi faire ça, Odyssée? Parce que dès qu'il se réveillera et qu'il touchera le stylo, il se fâchera et nous poursuivra. D'accord, Odyssée, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Alors tu verras, Dimon, tu verras. Oh, Odyssée, je pense que c'est une mauvaise idée. Dimon, ce n'est que le début. Maintenant, nous allons descendre et préparer d'autres farces. Très bien, allons-y alors. Suis-moi. Quand il nous poursuivra, il y aura une peau de banane ici et il glissera. Ouais, bonne idée. Super, mettons-la ici. Et quand il tombera, il s'éloignera et nous le jeterons hors de la maison. Écoute, Odyssée, c'est Spider-Man, hein? Et s'il ne s'évanouit pas? J'ai une solution, un spray qui tue les araignées. Waouh, Odyssée, bravo! Vous voyez à quel point Odyssée est intelligent finalement? Je l'ignorais. Très bien, allons-y. Allons le chercher. Allez. Spider-Man! Allez, au secours! Qu'est-ce qui ne va pas? Qui m'appelle? Qu'est-ce que ces crétins veulent, hein? Quelque chose ne va pas ici. Je sens que cette porte est dangereuse.
hein, je le sens, je le sens. Hein. Qu'est-ce que ces idiots auraient pu inventer d'autre, hein? Je sens un danger ici. Oh les gars, quand est-ce qu'on va commencer à faire des vidéos? Ouais, c'est clair, ça se joue sur l'ordi, on ne peut pas faire de la vidéo. Il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça les gars. Je pense qu'on devrait aller à l'étage et parler à Stas. On lui dira que nos abonnés attendent que nous tournions des vidéos. Et vous les gars, abonnez-vous, montrez-nous votre soutien et soyez les premiers à voir nos vidéos. Allons parler à Allez, Stas. Allons-y. Ah. Petit vieux, t'es là petit vieux. Les linons, les potos, j'ai perdu. Oh, allez. Stas, 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 allons faire une vidéo plus vite, mec. Laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Quoi, laisse-moi tranquille? On doit tourner une vidéo, car tous nos amis nous attendent. Non, aujourd'hui, je joue et c'est tout. Je joue, point final. Cela m'ennuie d'être avec vous aujourd'hui. Je ne veux pas travailler aujourd'hui. Et c'est tout. Oh, les amis, Stas, t'es un vrai boulet, toi. Ok, allons-y, on tournera une vidéo nous-mêmes. Oui, sans toi, sache-le, sache-le. C'est ça, enfoiré. Faites tout ce que vous voulez, je m'en fiche, je m'en balance complet. Qu'est-ce qu'on va faire, gars? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous devons réfléchir à quelque chose. Inventer quelque chose? T'es intelligent, tu vas inventer. Et nous, on va juste se reposer. Quoi? Vous reposez? On doit faire une vidéo. Les gars, j'ai une idée. Si l'ordinateur de Stas tombe en panne d'une manière ou d'une autre, alors il y a une chance qu'il revienne et tourne des vidéos avec nous. Timon, t'es plutôt malin, mon bonhomme. Bravo. Mais comment on casse son ordinateur? Voici le plan. Nous allons introduire une sorte de virus dans l'ordinateur de Stas. Et ensuite, il buggera tout seul. Et les virus le casseront. Ah, du coup, il viendra jusqu'ici et il tournera une vidéo avec nous. Les gars, c'est parfait. Bravo, bonne idée, Timon. Ouais. C'est super. Pas si bien que cela en fait, hein. Super idée. Comment j'ai pu ne pas y penser? Alors les gars, je vais aller télécharger un virus et le transformer sur cette USB et ensuite la mettre dans l'ordinateur de Stas. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on attend les gars, hein? Super, je vais monter et tout préparer. Vas-y, dis-moi. 20 minutes later. Super, je suis connecté, je vais tout brancher maintenant. C'est prêt. Et maintenant les gars, on doit le mettre dans l'ordinateur de Stas. Allons-y. Les gars, tout est prêt. Maintenant quelqu'un doit aller le mettre discrètement à l'ordinateur de Stas. Mais pour que Stas ne comprenne rien. C'est évident, ça doit être quelqu'un qui est petit. Ok. Donc on dit c'est voilà, va discrètement à l'ordinateur et fais en sorte que Stas ne comprenne rien. C'est bon, je suis petit, rapide. Allez, 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 allez-y, bonne chance. Oh, quelle vidéo. Oh mon dieu, Captain America, Timon. Ça a marché! Parfait! Bravo! Qu'est-ce qui ne va pas avec l'ordinateur? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il déconne? Qu'est-ce que c'est? Oh non, je peux pas le croire! Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Dimon! Oh, vous entendez ça? Le virus fonctionne déjà et c'est sûr! Si vite que ça! On y va, on y va! Allons-y! Allons-y! Quoi? Qu'est-ce qui c'est? Oh, ça a marché, ça a marché! Stas? Stas? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il est arrivé à Stas? Il a perdu connaissance! Peut-être qu'il voulait juste dormir, c'est pas grave! Stas, 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 ça va? Stas, Stas? Stas, réponds-moi! Je pense que quelque chose lui est arrivé, les gars. Emmenons-le en bas sur le canapé pour qu'il puisse se reposer. Mais comment on le porte en bas sur le canapé? Stas est si lourd! Calme-toi, Odyssée. Moi et Raphaël, on peut. Ne t'inquiète pas, Odyssée. Allez, Raphaël, allez! Tu le tiens là! Ouais, allez! Attends, retournons la chaise! Tournons! Ouais. Ouais! Les jambes! On y va? Ici, vas-y. Oh, c'est bien. Il faut qu'il dort. Nous devons découvrir ce qui s'est passé. La panne de son ordi a dû le décevoir. Il a décidé de se reposer un peu. D'accord, laissons-le se reposer. Ensuite, nous verrons ce qu'ils nous feront. Ouais. Okay. C'est très bizarre tout ça, allons-y. 1 hour later. Stas, tu te sens mieux? Stas, s'il te plaît, réveille-toi. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais ce n'est pas notre faute. Nous n'y sommes pour rien. Qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici, allez, va-t'en. Réveille-toi maintenant! Réveille-toi maintenant, Stas! Mon garçon est réveillé! Allons filmer une vidéo! Allons filmer une vidéo! Stas, Stas, tu nous entends? Allons tourner une vidéo! Timon, qu'est-ce qui se passe?
je comprends rien. Raphaël, je pense que je me suis trompé. J'ai mis deux virus. L'un était bon et l'un mauvais. Et je pense que j'ai téléchargé le mauvais erreur. Et quelque chose est arrivé à Stas. J'ai un outil pour qu'elle se réveille rapidement et facilement. Mon point. Ok, ok. Bonne chance, Raphaël. Allez. Oh, Raphaël, il l'a esquivé. Dis-moi, j'ai une autre idée. Lui donner un coup de pied. Un, vas-y. Deux, trois. Tu vas bien? Lève-toi, allez, lève-toi. Les gars, hey, Raphaël, je pense que le virus est entré dans son cerveau. Et maintenant, il n'entend que les ordres, Raphaël. Mais il est très fort, lui. Ouais, Raphaël, ça devait être son système de défense. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Alors Stas, fais un pas en avant. Fais un pas en avant. Il n'entend pas, Raphaël, il n'entend pas. Je te donne un ordre. Fais un pas en avant. Oh, ça a marché, Raphaël, ça a marché. C'est vrai, il entend l'ordre. La commande s'asseoir et se lever immédiatement. Ça marche, ça marche. Mais on ne peut pas filmer comme ça, ça fonctionne que les commandes. Oui, c'est vrai, et qu'est-ce qu'on va faire? Alors donne-lui un ordre pour qu'il revienne comme le vrai Stas. Je te donne l'ordre, redevenir un Stas normal. Papa, Stas, le papa. Et encore mieux qu'avant. Ouais, c'est sûr. D'accord, Stas, allons à table et voyons ce que tu peux faire et commençons à faire une vidéo. Bien sûr, allons-y. Allons-y, allons-y. Alors, Stas, raconte-nous ce que tu peux faire maintenant. Je peux faire n'importe quoi dans ce monde, tout ce que vous voulez. Tu peux mettre de la musique pour qu'on puisse danser. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Arrête, je n'aime pas cette musique. C'était pas mal comme musique, Dimon. C'est n'importe quoi, Raphaël. Allons voir ce que Stas peut faire d'autre. Ok, et peux-tu faire un laser avec ton doigt? Raphaël, de quoi tu parles? Bien sûr, tout est possible. Ouh, les gars, je ne peux pas le croire, comment il l'a fait? Qu'est-ce que mes yeux ont vu à l'instant? Et je me demande si Stas peut me faire du thé. Bien sûr, mettez un verre ici. Super, je vais aller chercher un verre maintenant. Voilà, verse-moi du thé juste là. Citron, pêche ou thé vert? Verse-moi du thé au citron. Comme il vous plaira. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait depuis sa bouche? Ça suffit, je pense. S'il vous plaît. Oh mon dieu, c'est ton vomi ou quoi? Je ne bois pas de trucs comme ça. Mets-le sur le côté. Pourquoi, Dimon? Tu voulais du thé, il a fait du thé. Alors, bois tranquillement, ne t'inquiète pas. Raphaël, mieux vaut laisser tomber. Voyons ce que Stas peut faire d'autre. Oh, les gars, allons en bas, j'ai une idée. Descendez avec moi. Allez, va. Attends les gars, nous allons jouer au foot avec Stas. Allez, on joue. Donc Stas, t'es le gardien du but. Odyssée, tu es prêt? Ouais, prépare-toi Stas, je suis un très bon footballeur. Frappe fort, allez. Oh, regardez comment il a attrapé. Comment est-ce possible? Oh, t'es stupide. C'est pas un peu fou, Stas. Quel genre de pouvoir est-ce? Allez, sortez d'ici. Oh mon dieu, c'était quoi ça? Et voilà, là-bas. Comment c'est possible? T'étais et puis là. Odyssée, je pense que c'était une téléportation. C'était de la folie ce qu'elle a fait. Rentrons plutôt à la maison, posons-nous et parlons de tout et de rien. Ouais, rentrons à la maison. D'accord, allons-y. Few inches later. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les gars? Nous allons nous détendre un peu et toi, Stas, ne reste pas planté comme ça. Ouais, tu ferais mieux de ranger à la maison. Ouais, prends un aspirateur électrique et passe-le ici. Pas de problème. C'est fait! Quand il l'a fait si vite? Peut-être qu'il deviendra un nettoyeur professionnel chez Home Cleaning, ouais! Ouais! Stas, il y a encore de la vaisselle que je dois laver! Mais je pense que tu le feras mieux que moi! C'est parti! Et bonne chance à toi! Compris! Oh, il est parti! Je n'arrive pas à croire! Oh mon dieu, c'est le meilleur truc! Oui! On n'a même pas besoin de faire de vidéo! Il nettoiera juste la maison que nous voulons! Ah ouais! C'est l'heure de faire la vaisselle. Oh
Erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Allons voir ça. Hop, Stas, tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Erreur. Quelle erreur? Ouais, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Un ordre pour détruire l'ennemi. Je sais ce qu'il faut faire. Allez. Laisse-le. Les gars, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le nerf. Je cherche le nerf. Et maintenant, regarde Stas. Laisse-les tranquilles. Laisse-les, maintenant. Sinon, je vais tirer. J'ai fini d'attendre, je vais tirer! Ça n'a rien donné avec le nerf! Rien! Laisse-le tranquille! Les gars, je pense que je sais ce que doit être fait. Nous devons télécharger l'antivirus pour débloquer Stas. Je suis en route! Au secours! Dépêchez-vous! Super, on est bon! Eh, oui, je l'ai trouvé! C'est ça, les gars! On va sauver Stas, allons-y! Ouvre ta bouche maintenant! Mes amis, pendant que personne ne regarde, je vais prendre des friandises et les manger. Oh, les amis, regardez un peu ça, j'ai trouvé des M&M's. Je vais te mettre en prison, mon gros. Moi, la prison. Pourquoi? Je t'expliquerai tout au commissariat. Allez, on y va, allons-y. Allez, je vais te mettre derrière les barreaux. La prochaine fois, tu ne mangeras pas les bonbons en cachette, je t'ai dit, moi. Monsieur, je ne peux pas vivre sans bonbons, je les aime beaucoup. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je vais te fouiller d'abord. Est-ce que tu as encore des bonbons sur toi, hein, voyou? Allez, allez, non, dis-moi. Non. Mais qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Allez. Ah! Ce n'est pas à moi, monsieur. Tu allais ramener ça en prison, non? Tu vas m'entendre maintenant, mec! Allez, tourne-toi, je te dis! Les gars, comment puis-je vivre sans sucreries? Je ne peux pas! Tu pleures, c'est ça, ouais? Et je vais te filmer en train de chialer comme un gamin, moi, regarde, ça va les faire rire, ça, maintenant. Allez, montre! Excusez-moi, je veux du sucré, s'il vous plaît, je peux pas vivre sans sucre. Tu vas envoyer ça à tous tes amis pour les amuser, ouais, c'est ça, j'envoie à tes amis, la honte que tu vas te foutre, mec, qui a été vraiment un gros tocard! Oh, les amis, comment j'aime trop les bonbons sucettes! Les Doritos sont beaucoup plus savoureux, Odyssey! Les gars, regardez ce que j'ai trouvé sur Internet, regardez! Excusez-moi, je veux du sucré, s'il vous plaît, je peux pas vivre sans sucrerie! Je savais qu'il y aurait pari exagéré avec les bonbons et que ça finirait mal! Oui, regardez comme il est déçu! Les gars, pourquoi ne pas lui ramener des sucreries? J'ai de la peine pour lui! Ouais, bonne idée! Suivez-moi, les amis, suivez-moi! Oui, allons-y! Alors Chris, c'est ici que nous avons toutes les sucreries. Il faut qu'on aille en ramener directement Raphaël de la prison. Oui, où est Odyssée? Je sais pas, hein. Bonjour. Odyssée, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es habillé comme ça? Je m'appelle Odyssée, je suis un peintre de Paris. Oui, Odyssée, de quoi s'agit-il? Nous voulons ramener des sucreries en cachette dans la prison. Voici ma palette de peinture, les gars. Mais à la place de la peinture, j'ai des bonbons. Oh, vraiment? Je croyais que c'était des vraies peintures. Oui, c'est ce que je pensais. Ok, Odyssée, je vais te dire si ça marche. Alors moi, je suis astronaute. Il a raison, et moi, pilote, alors, les amis. Vous moquez de moi, mais maintenant, vous allez voir. D'accord, on verra, Odyssée. Eh bien, nous verrons si cela marche. Bonjour, monsieur. Bonsoir, et qu'est-ce que vous voulez, là? Je suis un peintre parisien célèbre. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Tu sais, petit, c'est interdit d'apporter des bonbons ici, là, voilà, tu vois? Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Allez, monte-toi. Non. Ne touchez surtout pas à ça. Ça vaut des millions d'euros. Vous voulez payer cher, après? Des millions, ouais. Mais non, je te paierai rien du tout, moi. Allez, entre, allez, passe, là. Raphaël. Et vous, qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi, monsieur? C'est moi, Odyssée. Qu'est-ce que t'as? Odyssée, c'est toi? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu as? Alors, écoute, je suis venu ici parce que j'avais vu la vidéo que le policier avait filmée. Hein? Il a quand même publié. J'y crois pas. J'ai tellement envie de sucreries que je n'en peux plus. Eh ben, regarde ce que j'ai pour toi. Ce sont des peintures. Non, ce n'est pas de la peinture, c'est des bonbons. Tu es sûr? 100%. Je vais goûter. Oh, c'est super.
Allez, Raffario, mange! C'est tellement délicieux. Merci beaucoup, mon fils. De rien. Très bien. Mange. Alors, tu vois, je t'avais dit que ça allait marcher. Quoi? Ça a marché? Je te l'ai dit, Chris. Je suis un professionnel et vous ne m'avez pas cru. J'en crois pas. T'es sérieux? J'étais sûre que ça marcherait pas. Si on est certaine. Tu dis toujours ça. Et d'ailleurs, où est Dimon? J'en ai aucune idée. Je suis là. Je suis prêt. Je suis prêt à aller apporter les cafards en prison et à ramener des sucreries de Fario. Comme ça. Yo, les cafards, les copains. Je ne même pas y penser. Ouais, les gars, c'est dégueulasse. D'accord, mais comment tu vas faire pour cacher les sucreries dans un costume comme ça? C'est facile. Je vais verser du coca dans les gants. Et je lui faire croire que ce sont mes mains. Oh, t'es si intelligent, Dimon. Et t'as toujours été intelligent, d'ailleurs, hein. Bien sûr que je suis. Je suis aussi un homme civilisé. Oui, Dimon, faites attention à ce que ton plan ne dérape pas. Oui, ne t'inquiète pas, Odyssée. Alors, Chris, aide-moi. Super. Voilà, très bien, ouvre le Coca-Cola et verse-le dans le gant. D'accord. J'ai donc ouvert un Coca. Et maintenant, il faut le verser à l'intérieur. Allez, verse jusqu'à la dernière goutte. Ouais, vas-y. Stop, c'est super. Bon. Super, et maintenant? Très bien, attachant le gant comme ça, cachant les mains et... Voici mes nouvelles mains, mes amis. J'ai du coca à l'intérieur et je ramène à Raffario. Les amis, Dimon, c'est un petit rigolo. Je pense pas que son plan va réussir du tout. Tu verras, tu sais, je vais faire en sorte que ça marche. Maintenant, prends le masque et bonne chance, Dimon. Merci. Au revoir, j'espère que son pain va marcher. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Ah. Bonjour, je suis venu ici pour exterminer tous les cafards de la prison. Des cafards? Nous avons beaucoup de cafards ici, mais tu dois voir quelles sucreries elles sont interdites ici, regarde-moi. Alors t'as compris? Oh, quelle sucrerie? Je suis juste là pour vous débarrasser des cafards. Oh, tu es héros, toi. Allez, laisse-moi te faire la main. Qu'est-ce que c'est là? C'est dégueulasse. T'as du coca là ou quoi là? Mais non, je transpire juste. Bah attends, tu vas aller en prison. Non. Mais je te dis, tu vas y aller, moi, je te dis, hein. Allez, dégage. Mais je vais te questionner là, moi. Je m'en vais. Mais tu viens là ou quoi? Alors je te vais défoncer la gueule, moi. Mes amis, je vais être honnête avec vous. C'est très dur ici en prison, sans sucrerie. Et je ne me sens pas très bien. Mais je sais comment vous pouvez m'aider. Si vous vous abonnez tous dès maintenant, je me sentirai beaucoup mieux. Et je pourrai traverser cette période difficile de ma vie. Abonnez-vous, d'accord, mes amis? S'il vous plaît. Hey, dis-moi alors, ton plan a fonctionné? Non, ça a échoué. Il a décidé de me serrer la main et le gant du coca s'est déchiré. Il a failli me mettre en prison. Je n'arrive pas à croire que le plan de décider a marché, le mien non. Qu'est-ce que tu racontes, dis-moi? Je n'y crois pas. Je pensais que ton plan était meilleur que celui d'Odyssée. Au final, tout a échoué. Oui, Chris, où est Odyssée? Je ne sais pas. Ah, le voilà. Que vois-je? C'est moi, Odyssée. Calmez-vous. Je ne vais pas vous frapper. Regardez comme je suis fort. Et riche aussi. Je vois que tu t'es couvert d'or. Ouais. Et ici, j'ai des pièces d'or que je vais donner à Raffario. Pourquoi les donner à Raffario? Tu nous les donnes à nous, d'accord? Oui, il a raison, elle vaut mieux nous les donner. Les amis, calmez-vous. Ce ne sont pas de vraies pièces de monnaie, ce sont des chocolats. Et je vais les rapporter à Raffario. Quoi? Des chocolats? Quel chocolat? On dirait de vraies pièces de monnaie. C'est justement l'idée. Elles ressemblent à de vraies pièces de monnaie, mais ce sont des chocolats. Et comme ça, j'embrouille le policier. T'as de tels biceps, c'est tellement d'or qu'il ne s'en rendra même pas compte. Il pourrait aussi avoir peur de toi, Odyssée. Bravo, finalement, c'est facile et très intelligent. Bon, j'y vais. Bonne chance à moi. Ça va vraiment marcher. Ouais, je n'arrive pas à croire, mais bravo. C'est bon, putain. Monsieur l'agent, donnez-moi un, s'il vous plaît. Un seul, s'il vous plaît. Qui êtes-vous, monsieur, là? Qui je suis? Qui je suis, moi? Je suis Odyssée l'athlète. Vous savez que les sucreries, elles sont interdites ici. Des sucreries? Alors pourquoi tu manges des sucreries, toi? Je veux plus te voir manger de sucreries. Je veux que tu deviennes comme moi. Ouais, monsieur, d'accord, je suis d'accord avec vous, ouais, c'est dégueulasse, je mangerai plus ça, ouais. Que ça ne se reproduise plus, tu comprends, mon pote? Ouais, monsieur, je vois que vous êtes recouvert d'or, là, ouais, c'est pas mal. Oui, monsieur l'agent, oui. Alors, écoute-moi, si tu vas me laisser passer maintenant, j'ai un cadeau pour toi à la fin. Un cadeau, alors? J'aime bien les cadeaux, moi. D'accord, je suis généreux aujourd'hui. Voilà ton cadeau. Bon, passez, monsieur. À oui, plus. C'est très bien. Hé, hey, salut, mec, viens par là. Hé, hey, Raffario, c'est moi, Odysse. Viens ici.
Ah, enfin. Odyssée, c'est toi. Oui, oui, regarde. Je t'ai apporté des pièces en chocolat. Prends-les vite, vite. Oh, les amis, quel bonheur. Bravo, Odyssée. J'adore le chocolat. Je vais les manger tout de suite. Allez, mange-les vite, avant que l'autre ne se rende compte de quoi que ce soit. Regardez, les amis, c'est du chocolat. Merci beaucoup, Odyssée. Ouais, allez. Mais qu'est-ce que... Du chocolat, ouais. Du chocolat. J'y crois pas. Il s'est foutu de ma gueule, ce con, là. Je vais le choper, putain. Je vais le défoncer, merde, allez. Ouais, Odyssée, comment ça s'est passé? Ça a marché? Raconte. Ouais, mec, ça a marché. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que je ne réussirais pas? Bravo, bravo, je suis fier de toi. Mais dis-moi, où est Chris, frérot? Elle sera là dans un instant. La voilà. Salut, les gars. Je vais rendre visite à mon fils en prison et lui ramener des sucreries en cachette. Chris, je vais être honnête avec toi. Ça te va bien d'être une mamie? Ça alors, comment tu oses? Calme-toi, je suis désolé. Je dois te demander, comment tu feras pour cacher ces sucreries en passant devant le gardien? C'est très facile, je les mets dans mon sac tout simplement. Ça ne marchera pas, Chris. Mais Odyssée, si tes plans ont marché, pourquoi le sien ne marcherait pas? Les amis, ça va marcher à coup sûr, mettons tout cela dans le sac. Vas-y. Je vais t'aider, mamie, vas-y. Je mets le croissant à l'intérieur. Allez, mets-en un autre. Et ça aussi. Encore du chocolat. Comme ça. Ça suffit, c'est bon. Allez, mamie, bonne chance à toi. Merci beaucoup, les gars, je suis prête à y aller. Allez, au revoir, mamie. Je pense pas que ça va marcher, ouais. Frérot. Mouin. Bonjour, monsieur le policier. Bonjour, madame. Alors, qu'est-ce que vous voulez, hein? Je suis venu rendre visite à mon fils. Oui, bien sûr, madame. Mais sachez que les sucreries, elles sont pas autorisées ici, Quelle sucrerie, monsieur? Je suis juste venu voir mon fils. Mais très bien, ma petite dame. Moi, je vais d'abord vous fouiller de très près. Pourquoi me fouiller? Qu'est-ce que tu fais, jeune homme? Prends ça. Qu'est-ce que tu fais là, espèce de connasse? Mais je vais te défoncer, moi. Arrête. Tu voulais fouiller le sac d'une personne âgée? Arrête de me frapper. Mais t'es con ou quoi, putain? Au secours, allez! Ouais, au secours, allez! Oh les amis, mon plan a marché. Je peux donc libérer un pario. Et avant que le policier ne revienne, il faut tout faire vite. Le libérer. Alors les gars, vraiment c'est parti. Bravo mamie, ouvrez, je sors d'ici. Je veux rentrer à la maison et manger des bonbons. Je vais te libérer. Alors attends. Oh, voilà les clés les copains. Je les ai trouvés. Rapario, je vais te libérer rapidement. C'est laquelle? Je crois que c'est celle-là. Oh, ça ouvre. Merci beaucoup, mamie. Quelle mamie? C'est moi, Chris. Désolé, Chris, merci beaucoup, mais ce déguisement t'a laissé bien, tu sais. Ça y est, c'est fini. Les amis, on a libéré Raparion, on lui a ramené des sucreries en cachette. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Abonnez-vous. Et sortons vite d'ici. Allez, salut.